je crois. Ah oui, c'est ça. Là, c'est une pomme. Bon, alors moi, c'est Frédéric. J'ai proposé l'idée du projet BMB 2017 il y a maintenant à peu près un an, après avoir gravi le Mont Blanc par la voie normale. L'idée du projet, c'était de réaliser à nouveau l'ascension du Mont Blanc et également d'essayer d'atteindre le fond d'une grotte qui s'appelle le Gouffre Berger et qu'on surnomme très souvent le Mont Blanc de la Spéléo, parce que c'est une grotte qui est profonde, qui est assez longue à faire, mais qui n'est pas trop difficile non plus par rapport à d'autres. Donc voilà, c'est un équivalent du Mont Blanc, mais en version spéléo. On va aller là-bas. Et c'est vachement. On est à la pluie. Et elle s'appelait comment? Elle s'appelait comment? On est bien accueilli pour notre premier jour ici. On est bien accueilli pour notre premier jour ici. Bonne idée d'installer cette tente. Hein. On est pas mal là. Ah, elle est bien là. Voilà. Moi, je viens de Pionça, dans le Puy-de-Dôme. On a fait un peu de route, environ 5 à 600 km, donc on est un peu fatigué. On est parti à 2h cette nuit. Donc on vient d'arriver, on essaie de faire une petite sieste là. Et puis après, on va regarder ce qu'on peut faire pour aller s'acclimater un peu pour le projet BMB 2017. L'objectif du projet est de réaliser l'ascension du Mont Blanc et d'atteindre le fond du Gouffre Berger en moins d'une semaine. Au-delà de la dimension sportive, le projet consiste également à partager notre engagement à respecter notre environnement en collectant des déchets sur notre chemin. Là, on est bon, les gars. J'ai l'impression la droite, on a... Ah, la douleur, mais c'est ouf. Elle a l'air bonne. Ah, allez, va. Il y a ma petite baignoire naturelle, là. Oh, maintenant, non. Ouais. Quel homme. La tête. La traversée, allez. Je m'appelle Jérôme, je suis ici avec mes amis d'enfance, donc Fredo, Loïc Sarré aussi. L'objectif c'était de se lancer le défi de gravir le toit de l'Europe en passant une semaine d'acclimatation aux écrins. Premier checkpoint de la journée. Durant cette semaine, de nombreux amis se joignent à nous pour randonner et grimper en montagne. Impressionnant, hein. La haute altitude peut causer ce que l'on appelle le mal aigu des montagnes. Afin de s'en prémunir, il est nécessaire de passer du temps en altitude en allant progressivement de plus en plus haut. Et après, on se rend pas compte en fait. Quand on prend en photo, on se rend pas compte de la. Là, c'est bon. Tu vois, c'est assez positif. Ensuite, on va jusqu'à la première brèche, là, entre la première pointe. Ensuite, on remonte là jusqu'à la deuxième pointe, on redescend un peu, on remonte derrière la grande du nous là, mais sur l'autre face, sur l'autre côté. Et après, on fait ça, tac-tac, sur la grosse qui est. Notre premier sommet d'acclimatation est la pointe des cinéastes. Elle culmine à 3205 mètres et offre une vue imprenable sur le glacier blanc et le mont Pelvoux. Son ascension, par la traversée des arêtes, est cotée assez difficile. Notre équipe est composée d'alpinistes relativement débutants. Nous ne nous sommes jamais mesurés à un sommet de cette difficulté en dehors de l'Auvergne. Elle est belle, t'as pas ton appareil. C'est dommage, t'as une belle photo là. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Sur la deuxième pointe. Fredo toujours en tête. Et c'est la fin. Thank you.
première pointe, ça va, deuxième pointe. Et après, au moment de, d'arriver au passage difficile de la voie, personnellement, je me sentais pas franchement de me lancer dedans, sachant qu'on était un peu juste au niveau du nombre de coinceurs pour deux cordées. Donc on a cherché à installer des rappels pour pouvoir redescendre cette paroi-là. Et OK. Donc on a dû abandonner quelques coinceurs et sangles. Vérifie si elle va jusque en bas quoi. C'est ce que j'ai compris. Je déteste le puits. Au cours d'un des rappels, la corde se coince dans une écaille de roche. Le temps de la décoincer et de trouver où et comment placer les prochains rappels, nous mettons presque 5 heures à redescendre les 200 mètres de paroi rocheuse. Ouais. Viens, viens. Ouais. Et voilà, j'ai fait ça vivant. C'est un check de victoire là. Ouais. Enfin, victoire. Ouais, hein. Bonne étape. Mais ça, on s'en souviendra de cette étape. Ce jour-là, nous aurons passé plus de 16 heures dans la montagne. Une bonne journée d'acclimatation. Attendez, je vais essayer de les retrouver. François, Justine, Loïc, Saré, Loïc, Roland, Jérôme, Théo, Philippe, Eva et moi sommes partis pour grimper le dôme des écrins. C'est vrai que de nuit, tu vois, en arrivant, je me rendais pas compte. Quand tu vois le glacier, ouais. Tu te dis ah ouais, ça fait une petite trotte. 9 personnes se lancent donc à l'assaut du second plus haut sommet du massif qui culmine à 4015 mètres. De plus, Charlotte et Edouard nous accompagne pour passer la nuit au refuge des écrins. Sur un petit promontoire un peu au-dessus du glacier, on voit une boîte grise avec deux trous noirs dedans de fenêtres. Ou... Ah ouais. Ça. T'as de la neige, un grand rocher ici au milieu. Ah ouais, je le vois. Ça va coûter cher. En ce début de mois d'août, le glacier blanc est très ouvert, ce qui nous offre quelques petites frayeurs en passant au-dessus des crevasses. Après 4 heures d'ascension, nous arrivons en vue du refuge. Voilà, on a pas mal grimpé. On forme une belle caravane puisqu'on est 11 apprentis alpinistes. Donc là, on arrive au refuge des écrins. Je vais essayer de faire un zoom un peu propre. Yep. Qui est là. Ouais, mais ça peut se lever cette nuit, tu vois. Ça fait
aussi. Au repas qui fait du bien. À 3h du matin, il est temps de partir pour le dôme. Ah ah ah, joli. C'est dans la boîte. Je m'en fous, je suis là. Bon, ça va, c'est pas grave. Petite crevasse, ça passait. Allez, c'est bien, ouais. Agent. Ok. Toutes les personnes qui se sont lancées dans l'ascension du dôme sont arrivées au sommet. Parmi elles, 5 pour qui c'était le premier 4000, dont 2 totalement débutantes. Voilà, ça roule. Arrêtez les gars. 4000 mètres, ça y est. Au revoir Jérôme. Premier 4000. Yes. Et on n'est même pas dans la brume, on a de la chance, on a de la vue.